Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Nous sommes mercredi matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Jean Lassalle, défenseur des Gilets jaunes, a encore fait parler de lui à la tribune de l'Assemblée en chantant le chant des partisans avant de se faire reprendre par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Boucan, il veut quoi le maréchal Ferrand? Que je mette un coup de sabot? Faut qu'il se méfie. Je chausse du 57. Ma mère me disait toujours, Jeannot, c'est pas des pieds que tu as, c'est des péniches. Avez-vous prévu d'autres happenings à l'Assemblée pour défendre la cause des Gilets jaunes? Mes chers compatriotes, de France et d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie. L'Union. Oui. Je vais faire des opérations coup de poing. Et quel genre d'opération? Je viens de vous dire, coup de poing, dans la gueule. Ah oui. Le prochain qui m'empêche de chanter à l'Assemblée, je lui mets une mandale. Regardez, mademoiselle Jade. Oui. Regardez la taille de mes paluches. Ah oui, c'est impressionnant. Ma mère me disait toujours, Jeannot, c'est pas des mains que tu as, c'est des pelles. Ne faites pas le fier à bras, Jean Lassalle. Tout le monde sait que vous êtes doux comme un agneau. Non, hein? Qu'est-ce que c'est? Vous avez parlé de l'agneau, alors, ça me plaît. Mon mouton l'a pris pour lui. Il vous dit bonjour, madame Gérard. Eh ben bonjour, Simplet. Et d'ailleurs, pourquoi il s'appelle Simplet? Parce qu'il est aussi bête qu'un député de la République en marche. On va faire le jeu, Macron a dit. Le jeu Macron, le jeu Macron a dit. Oui. Le jeu Macron a qu'est-ce dit. Qu'est-ce que c'est? C'est comme Jacques a dit, mais avec Macron. Oui, on s'en doutait. Regardez, je place Simplet devant un mur et je dis, Macron a dit en marche. Il marche, il marche, il marche, hé hey. Il se prend le mur. Quand je vous dis qu'il est bête comme un député de la République en marche. Mais non, ça me plaît. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si M. Calvi pouvait cesser de me regarder avec cet air concupiscent de celui qui va se taper un gigot de 7 heures, ça m'arrangerait bout du corps. En cette période de fête marquée par un climat social pour le moins troublé, notre ami Enrico Macias a souhaité s'exprimer lui aussi, n'est-ce pas Enrico? Bien sûr, ma petite gazelle à poncho que j'ai voulu exprimer à moi dans la casbah M. Calvi à propos de ce climat tendu qu'on vit à nous. Oui. Ma parole, le climat social tellement qu'il est tendu qu'on dirait la fois où Tata Jamila, elle avait acheté un anti-ride révolutionnaire au télé Aïcha. Tellement qu'elle avait la peau tendue, Tata Jamila, que quand elle s'asseyait, ça lui ouvrait la bouche et qu'on lui voyait briller sa dent en or. Oui, je comprends Enrico. Vous voulez parler des tensions liées à la mobilisation des Gilets jaunes, c'est ça? Mais oui, c'est ça, ma petite sœur. Tu as tout compris. Merci. À la métaphore politico-orientale. Comme l'a dit le président Macron, il faut partager le couscous pour que ça ne soit pas toujours les mêmes qui aient toutes les boulettes, alors que les autres, ils ont classe moule et les raisins avec les taxes dessus à eux. Et vous pensez que les négociations annoncées dans les mois prochains permettront de calmer les gilets jaunes, Enrico? Malheureusement, il reste encore beaucoup à faire pour les calmer à eux. Ma parole, parce que les gilets jaunes, ils sont vraiment très très en colère. Ils sont en colère, comme la fois où la chèvre a mémé Malika, elle avait mangé les babouches brodées à tonton Abdel. Oh non. Il était comme un fou de colère, tonton Abdel. Il en a fait un tagine de la chèvre qu'on s'est régalé pendant toutes les fêtes. Comme quoi, d'un mal, il peut parfois sortir un bien, en quelque sorte. C'est mon message d'espoir aux gilets jaunes pour la Noël. Un bien beau message, effectivement. Mais je ne savais pas que vous fêtiez Noël, vous, Enrico. Tu sais, on aime toutes les colombes de la paix, surtout quand on les mange en pastilles. Que j'ai les trois plumes dans son beau tagine. On dirait un petit poulet vivé. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin de laurier. Et justement, la semaine prochaine, c'est Noël. Que cuisiner pour le réveillon? Le plus gourmet des Français est avec nous pour en parler. Bonjour Gérard Depardieu. Bonjour Mademoiselle Jade et bonjour Monsieur Calvi, qui dans le genre gourmet n'a de leçon à recevoir de personne. C'est beau ça. Ah oui, c'est vrai. Alors Gérard, qu'allez-vous cuisiner pour Noël? Pour moi, Noël, c'est la tradition. Faut pas chercher à innover, à servir des plats soi-disant revisités. Oh, ça m'énerve cette mode. Avant de revisiter le foie gras, commence par revisiter tout court. Ah oui. C'est comme les verrines. J'ai une gueule à manger dans un dé à coude, moi. Fumier. Alors justement, le foie gras traditionnel, comment ça se prépare? Ben, c'est pas compliqué. Tu prends un ours, tu lui mets un entonnoir dans la bouche et tu le gaves pendant un mois. Un ours? Oui, moi je préfère le foie gras d'ours, il y a plus à becter. Un foie gras de canard en trois bouchées, c'est fini. D'accord, donc j'imagine que vous faites tout le repas avec. Mais non, c'est l'entrée. Oula. En plat, comme la tradition l'exige, il faut un chapon, un beau chapon rôti. Oui. Tu sais ce que c'est un chapon? Oui, c'est une espèce de gros coq.
Voilà, tu vas chez le volailler, t'en choisis un beau, bien costaud, bien nourri, comme Monsieur Calvi. À la différence près qu'un chapon, c'est castré. Comme Monsieur Calvi, lui, il en a des couilles. Rien qu'à voir comment il cuisine les invités politiques. Oui, il appréciera. Et vous le faites cuire combien de temps ? Avant de le faire cuire, faut le farcir. Tu sais comment ? Non. Avec un cochon de lait. Oh, non. Que t'auras lui-même farci, avec de la chair à saucisse, des marrons et des gésiers. Et là, tu l'enfournes une heure, avec 10 kilos de patates. C'est pas un peu lourd, ça, Gérard ? Lourd, mais t'es pas bien, ça passe tout seul, comme un sorbet. C'est du dessert à la viande. Alors justement, bah finissons par le dessert. Une bûche, j'imagine ? Bon, déjà, t'es mignonne, t'oublies pas le plateau de fromage. Oui. Sinon, on va pas être copains. Mmh. Et après, oui, une bûche. Mmh. Mais pour le dessert, on peut s'autoriser à sortir un peu de la tradition et laisser s'exprimer sa créativité. C'est-à-dire ? Par exemple, tu peux remplacer la génoise par des andouillettes et le praliné par géjaret de veau. Mmh. Et là, tu régales. Oh, tu te régales, nom de Dieu. Allez, joyeux Noël ! Loin du fracas des grands centres-villes, au fond de la garrigue, on se prépare aux fêtes de fin d'année. Retrouvons les héros de notre saga provençale, Macron des Sources, avec toujours dans les rôles principaux, Daniel Auteuil et Yves Montand. L'hiver est arrivé dans le vallon des Darmanins. Et tout le monde se demande si la paix de Noël l'emportera sur les tensions sociales. Comme chaque année, Hugolin a accepté de faire la crèche provençale sur la plage du village. Mais le cœur n'y est pas. Eh bien, Galinette, tu as fait une tête d'enterrement. Qu'est-ce qui va pas encore ? Papé, j'ai regardé Macron à la télévision chez la Baptistine. Il m'a fait de la peine. De la peine, tu as dit ? Moi, ce qui me fait de la peine, Hugolin, c'est qu'avec tout l'argent qu'il a promis, ton Macron... Pique-bouffigue. Le percepteur de bagne, il doit se frotter les mains. Réfléchis, Galinette. L'argent, il va bien falloir le prendre quelque part. Ah, qui veut pas me tourner autour du trésor des soubérans avec ses gros sabots. Mais papé, il est caché le trésor des soubérans. Ah, il est peut-être caché, Hugolin. Mais ton Macron, il a besoin de 12 milliards. Alors il va falloir le cacher encore mieux. Tiens. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas le mettre dans la crèche de Noël, sous la paille. Il n'osera pas le chercher là, pique-bouffigue. Mon papé, Mélenchon, il a dit que j'ai pas le droit de la faire, la crèche provençale, parce que c'est pas laïque. Pas laïque, la crèche ? Et depuis quand ? Oh, mais pour qui il se prend celui-là, avec ses dents qu'on dirait mon vieux râteau rouillé ? La crèche, on va la faire, Galinette. Même que c'est toi qui feras Joseph. Et pour Marie, on prendra ma bonne. Vous surveillerez le trésor pendant la veillée. Papé, pour faire le petit Jésus, on pourrait demander à Macron. Il est tellement gentil en ce moment. Je suis sûr qu'on peut tout lui demander. C'est pour ça que je l'aime. Je l'aime, moi, Macron. Je t'aime, Macron. Macron, je t'aime. Tu es le petit Jésus. Nous voilà bien, donc tout ça est à retrouver voilà, sur le site RTL.fr. Oui, bah oui, bien non, exactement. Oui. Sur le site RTL.fr et surtout, on se retrouve demain jeudi. Eh ben oui. Voilà, acceptons-en l'augure. Ah voilà. À demain. Avant les fêtes.